Salut les nerveux, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Vampire Dylan numéro 2. Allez, c'est parti! Coucou Choupette! Coucou! Coucou les petits choupis, très contente de vous retrouver aujourd'hui. Oui! Pour la vidéo Vampire Dylan numéro 2. Voilà, il y avait beaucoup de dilemmes la première fois. On a reposé une question sur la communauté YouTube et sur Instagram. Vous avez été très, très, très nombreux à participer. On vous remercie. On a pris note. Oui. On va le faire aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu énormément de dilemmes, Choupette. Oui. Il y a eu trop de dilemmes. Beaucoup, 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 beaucoup. Donc, du coup, on avait fait la première partie qu'on vous met... Dans le petit, l'autre côté Shannon. Ah. Quand vous mettez dans le petit en haut à droite, oui. On va faire les pires dilemmes aujourd'hui. Et je pense qu'on refera les pires dilemmes numéro 3. Ouais, numéro voilà, 3. Dans une prochaine vidéo parce qu'il y a eu énormément, énormément de dilemmes. Oui. Ok. Ça va, petit Stitch? Elle est trop belle ta combinaison. Ouais. Elle est nouvelle? Oui. Les choupis, on vous affiche le code promo Bigumi Chachagom en bas de la vidéo et on vous le met aussi en description. Et j'ai même eu le coussin. Tu as eu le coussin Bigumi aussi. Oui. Bon, on montrera parce que vous avez été nombreux aussi à demander une vidéo où Shannon montre tous ses Bigumi. Ouais. On le fera dans une prochaine vidéo et très 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 prochainement. Oui. Bon, je me suis un peu répétée là, hein. Dans une prochaine vidéo et très très prochainement. Ouais, ça fait beaucoup de répétitions. C'est la même chose. Non, mais maman, des fois, elle délire complet. Allez, c'est parti. Oui, c'est parti. Premier dilemme. Premier. T'aimes bien, hein? Oui. Tu préfères avoir des abonnés qui te détestent? Oui. Ou prendre une douche remplie d'araignées? Je préfère que mes abonnés me détestent. Tu préfères avoir des abonnés qui te détestent? Oui. Ouais, moi aussi j'aurais choisi ça. Hein. Mm. Bon, on peut pas plaire à tout le monde comme on dit. Hein. Oui. Bon. Des araignées dans la douche. T'as dit que tu craignais les araignées ah, ouais. En plus. Ouais. Écoute bien et ne réponds pas tout de suite. Hein. Oui. Tu préfères vivre dans la rue avec tes Playmobil? Attention les dilemmes. Hein. C'est pour ça que la vidéo s'appelle vos pires dilemmes. Oui. Donc, tu préfères vivre dans la rue avec tes Playmobil? Oui. Ou vivre dans une villa de luxe sans les Playmobil? Qu'est-ce que tu choisirais? Je sais pas. C'est dur, hein? En fait. C'est dur, hein? Vivre dans la rue avec mes Playmobil. Tu préfères vivre dans la rue avec tes Playmobil et pas vivre dans une villa? Sans Playmobil. Donc tu préfères être à la rue avec tes Playmobil. Tu préfères avoir des jouets. Je vais vers l'autre. T'es sûr? Oui. C'est pas facile, hein? Avoir une villa sans les Playmobil. Tu préfères être dans une belle maison? Oui. Que être dehors. Et oui, c'est sûr, Shannon. Tu vois, il faut bien réfléchir, hein? C'est pas facile, hein? Donc tu préfères quand même être dans une maison, mais sans jouets. Oui. Et oui, c'est pas bien d'être dehors. Tu sais, il y a énormément de personnes à la rue qui aimeraient avoir une maison. Oui. Donc moi à choisir, je préférerais être dans une maison. Oui. C'est pas marrant d'être dehors, hein? Non? Non. Bon, ok. Allez, le troisième. On passe à la prochaine question. Alors, ne plus jamais fêter ton anniversaire. La tête déjà. Ou ne plus jamais jouer au Playmobil. C'est dur, hein? C'est très très dur. Donc, ne plus jamais fêter ton anniversaire ou ne plus jamais jouer au Playmobil? Plus jamais jouer au Playmobil. Donc, tu préfères qu'on fête ton anniversaire? Oui. Ah ben oui, normal. Moi aussi, j'aurais choisi ça. Alors, tu préfères sauver tous les animaux de la planète ou sauver tous les gens de la planète? Ouais, tu peux faire cette bouche, c'est dur quand même. Donc, tu préfères sauver les gens ou sauver les animaux? Et les gens, ça inclut ta famille. Hein. C'est dur, hein? Oui. On a besoin d'animaux, on a besoin de personnes. C'est dur, hein? Aïe, 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 les dilemmes.
Les abonnés sont très très durs dans leur dilemme. Est-ce que je peux choisir les deux? Tu veux sauver tout le monde? Oui. Bon. J'adore les animaux. Bon, ben. Surtout les chats. Les choupies, elle ne peut pas choisir. Elle préfère sauver tout le monde. Oui. C'est bien? Bravo. Alors, ne plus jamais parler ou être sourde pour toujours. Alors, soit tu préfères... J'ai rien compris. Tu préfères ne plus jamais pouvoir parler. Oui. Donc, tu peux plus parler. Oui. Tu es muette. Ou tu préfères être sourde pour toujours. Ou ne plus entendre. C'est dur, hein. C'est très, très dur. On a besoin des deux, hein. Soit tu entends, soit tu n'entends plus les sons, tu n'entends plus rien, tu n'entends plus les bruits, tu n'entends plus la musique. Soit tu peux plus parler. C'est très dur. La deuxième. Tu préfères ne plus entendre. C'est très très dur. Oui. Alors, mais si tu n'entends pas, tu t'entends pas parler en fait. Non. C'est dur, hein. C'est bizarre, je parle et je m'entends pas. Voilà, c'est dur, hein. Alors, tu préfères la nouvelle maison de Laos ou le monde des sirènes? La nouvelle maison de Laos. Que tu vas voir bientôt. Oui, elle sort très très bientôt là de Laos. Normalement, elle sort là courant du mois de septembre. Ah oh, oui, c'est vrai, j'ai oublié. Je crois qu'elle sort en septembre. J'espère qu'ils vont pas repousser la sortie, mais dans pas longtemps, la de Laos, elle sort. Oui. Alors, tu préfères dessiner sur tous tes Playmobil au marqueur? Le marqueur, ça part pas. Oui, je sais, le marqueur. Comme un feu de Véléda. Ou dessiner au marqueur sur ton téléphone. Donc soit tu dessines au marqueur sur ton téléphone, soit tu dessines au marqueur sur tes Playmobil. Sur le téléphone, parce que le téléphone on peut remplacer, mais les Playmobil aussi, mais... Bah tu peux tout remplacer, c'est du matériel. Ouais, mais le téléphone. Le téléphone? Oui. Ok. Alors Choupette, tu préférerais que le magasin Claire's n'existe plus... Déjà la tête. Ou que Jiffy n'existe plus. Les deux que tu préfères? Oui, les deux. Alors, lequel pour toi tu veux garder entre Claire's et Jiffy? C'est dur, hein? La tête que tu as fait, c'était trop bon. Alors, qu'est-ce que tu préférais? Je préfère Jiffy. Tu gardes Jiffy et moi j'aurais répondu pareil. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des bijoux dans Jiffy. Oui. Il y a des chouchous, il y a ce qu'il y a chez Claire, il y en a chez Jiffy. Chouchou, bijoux. Donc autant garder un magasin où il y a tout. Oui. T'as raison, très bon choix, moi j'aurais choisi pareil. J'aime les deux, mais... Eh oui, Jiffy, tu peux... Il y a de tout pour tout le monde. Oui. Alors, on continue? Oui. T'es toujours prête? Oui. Tu préfères être seule au monde? Il n'y a que toi sur Terre. Avec tes Playmobil. Les abonnés, ils aiment bien tes Playmobil. Hein. Ouais. Donc, tu préfères être seule au monde avec tes Playmobil ou être avec ta famille et amis sans tes Playmobil? La deuxième. Avec ta famille et tes amis sans les Playmobil. Oui. Ma Choupette, j'adore quand tu réponds comme ça. C'est bien. Alors, Choupette, tu préfères jouer à Minecraft avec Ethan sur sa chaîne? Ou jouer toute seule à Minecraft sur ta chaîne à toi? Avec Ethan. Tu préfères jouer avec Ethan? Oui. Oh, mais elle est trop choupette cette petite. Hein? C'est normal, c'est ma fille. Non, je rigole. Alors, tu préfères... Aïe, aïe, aïe. Quoi? Non, mais les dilemmes, ils sont pas faciles. Hein? Tu préfères détruire Noël ou rendre triste toute ta famille? Ah, c'est facile, hein. Tu préfères détruire Noël? Oui. Ne pas rendre triste ta famille? Oui. Oh, ma choupette, trop mignonne. Tu préfères jeter toutes tes bigumis ou jeter tous tes Playmobil? Je savais que ça allait être Playmobil. C'est dur, hein, tes deux préférés, tes deux passions, bigumis et Playmobil. Donc tu préfères jeter toutes les bigumis ou jeter tous tes Playmobil? C'est dur, hein. Bigumi. Et tu gardes tes Playmobil? Oui. Eh ben, elle défend ses Playmobil jusqu'au bout, les choupies. Hein. J'aime les deux, mais Playmobil. Choupette. Alors ça, c'est plutôt une préférence. Les licornes ou les chats? Les chats. Les chats. Elle adore les chats. Oh, punaise.
Quoi? Déjà, celui-là, quand je l'ai écrit sur la feuille, j'étais... Bon, je te dis rien. Ok. Tu préfères manger 1 kg de cheveux sales qui ne sont pas à toi. Ah. C'est dégueu. Ou 1 kg d'ongles de pied qui ne sont pas à toi. Mais c'est dégueu. Ah là là, les abonnés, vous abusez. Pas moi. Ouais, moi j'aurais choisi pareil. Les ongles de pied. C'est dégoûtant. Aïe aïe aïe, les petits choupis. Bon, est-ce que tu. Ah, celui-là il est bien. Moi j'aime bien ce dilemme. Être coincé à l'autre bout de la terre sans pouvoir revenir à Marseille. Donc tu te retrouves très 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 loin. Mmh. Ou tu préfères vendre tous tes Playmobil pour acheter 100 bouquets de fleurs qui fanent au bout de 2 jours. C'est-à-dire que tu les jettes au bout de 2 jours. Donc, est-ce que tu préfères être coincé à l'autre bout de la terre sans pouvoir revenir à Marseille? Ou tu préfères vendre tous tes Playmobil pour acheter 100 bouquets de fleurs qui fanent au bout de 2 jours? Je préfère... C'est quoi déjà la deuxième? Vendre tous tes Playmobil pour acheter 100 bouquets de fleurs qui, au bout de 2 jours, tu les jettes. Ou tu préfères être coincé à l'autre bout de la terre sans pouvoir revenir à Marseille. Je préfère. Il est pas mal celui-là. Hein? Ah. Alors, un choix. Le premier. Donc, tu préfères être coincé à l'autre bout de la terre. Oui. Ouais, moi, j'aurais choisi ça aussi. Alors, les animaux marins ou les animaux de la terre? Les animaux de la terre. Ça, c'est une préférence aussi. Ok. On continue, Chouquette. Oui. Tu préfères ne plus avoir de nouveaux Playmobil. Oui. Mais garder les anciens. Ok. Donc, tu n'as jamais les nouveaux, mais tu gardes les anciens. Ou ne plus avoir les anciens et avoir les nouveaux. Plus avoir les anciens et avoir les nouveaux. Tu préfères avoir les nouveaux Playmobil. Ouais, j'aurais choisi pareil. Oui. Chouquette. On continue. Où j'en étais? Ah. Ah, ça, je sais ce que tu vas répondre direct. C'est quoi, c'est quoi? Ça aussi, c'est une préférence. C'est quoi? Les épinards ou les haricots verts? Les épinards. Eh oui. Alors, les choupis, je vous explique. Le petit choupi qui a noté ce dilemme, c'est vrai que ça aurait pu être un dilemme pour un enfant qui n'aime pas les légumes. Généralement, c'est compliqué avec les légumes. Oui. Sauf que Shannon, Miss Shannon, qui ne mange aucun légume. Sauf les épinards. Alors, c'est le monde à l'envers chez Shannon. Oui. C'est le seul légume qu'elle mange. Voilà. Donc, c'était pas compliqué pour elle. Oui. Tu préfères mentir à tes parents ou faire des bêtises? Qu'est-ce que tu préférerais? Tu préfères quoi? Moi, je sais ce que tu vas choisir. Mais ça revient au même parce que si on fait des bêtises, après on va mentir. On va faire. On sait pas. Oui, si tu fais une bêtise, tu peux mentir à tes parents. Bah oui. Mais tu préférerais leur mentir ou faire des bêtises qu'ils ne le savent pas? Faire des bêtises et ils ne le savent pas. Donc tu préfères faire des bêtises? Oui. Je savais que tu allais répondre ça. T'es une chippie, tu es. Oh là là. C'est quoi? Tu préfères Lilou ou Chloé? Alors les choupis qui arrivent sur la chaîne, Lilou, on vous met une petite photo. C'est le bébé de la famille Dubois, enfin le bébé qui a grandi maintenant. Elle a 5 ans. Et maintenant, ouais. Et Chloé, c'est le personnage principal de la famille de Shannon. Oui. Playmobil. Et on vous met avec les petites photos dans le petit i la vidéo de Lucas a disparu par exemple. Oui. Alors, on a presque fini Choupette. Oh non! Tu préfères garder ta famille ou tes bus Playmobil? Ma famille. Mais attends, c'est... je suis pas sûre parce que la famille, il n'est pas précis ce petit choupi là. Est-ce que c'est ta famille, ta vraie famille ou ta famille Playmobil? Tu préfères garder ta famille Playmobil ou tes bus Playmobil? Je suis pas sûre en fait. Ben, ma famille,
Je sais pas si c'est la famille. Eh oui, moi non plus, je sais pas. Bon, on va dire que c'est Playmobil, puisque tu préfères garder ta famille ou tes bus Playmobil. On a mis Playmobil à la fin. Alors, ma famille Playmobil. Eh oui, la famille Playmobil. Alors, Chouquette. Allez, allez, encore. Tu préfères donner tous tes Playmobil à une association ou quitter tes parents? Donner mes Playmobil à une association. T'es trop gentil. Moi, j'aurais choisi la même chose. Tu préfères ne plus jamais marcher ou ne plus jamais utiliser tes mains? C'est dur. On a besoin des deux. Ils sont très durs quand même. Plus jamais utiliser les mains parce que si j'ai plus de jambes, je veux plus marcher. Donc, tu préfères pouvoir marcher encore? Oui. Ouais, c'est dur quand même. Moi, je sais pas ce que j'aurais choisi. Moi, je préfère les mains. Ok. Choupette, tu préfères prendre une douche gelée ou un bain froid? Un bain froid. Moi, je préfère prendre la douche rapide, parce que le bain, ça veut dire que tu restes dans l'eau froide. Ah ouais. Eh ouais, mais non, c'est trop tard. T'as choisi. Moi, je préfère la douche. Une douche rapide, c'est mieux. Oui. Et puis l'été, c'est mieux l'eau froide, la douche froide. Rester bloqué à l'école ou rester bloqué dans le métro? Rester bloqué à l'école. Ouais, moi aussi j'aurais choisi ça. À l'école, t'as plein de choses, tu peux faire plein de choses. Dans le métro? Tu peux rien faire dans le métro. Ouais, sauf rester assise et attendre. On capte même pas dans le métro marseillais. À Paris, on capte avec le téléphone, mais dans le métro marseillais, on capte rien. Donc... Bon, nous, on prend jamais le métro, mais à choisir, j'aurais choisi l'école. Il y a plus de choses à faire dans l'école. Oui. Et c'est la dernière, Choupette. Tu préfères avoir des pattes de canard, des pieds de canard. Oui. Tu vas commencer, Oui. Ou avoir des mains de Playmobil. Des mains de Playmobil. Je les ai déjà éliminées. C'est un très beau final, les choupis. C'était la dernière question. Regardez. Bravo. Attends, ils voient ça, les Playmobil, comme ça. Et des fois, eux, ils sont comme ça. Pourquoi pas? Bon, allez, on se retrouve pour une prochaine partie numéro 3, les choupis. On mettra un post de la communauté pour que vous rajoutiez des dilemmes. Oui. La vidéo est terminée. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche. Pour recevoir toutes les notifications des vidéos. Et abonne-vous dans la vidéo, c'est les dédicaces du jour. On vous fait plein de gros bisous. Mouah ! Gros bisous à tous les petits choupis. Gros bisous, on vous adore. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Ciao ciao les choupis, à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.